Et voici venir la vidéo 3 sur les déplacements en aïkido. J'ai failli dire le plus courant, c'est surtout celui qui paraît moins naturel aux débutants. Pour le côté rassurant, en fait, on s'y fait très vite, et après on ne sait plus pourquoi on trouvait ça compliqué. Ah, je l'ai pas nommé. Sugihashi, pas glissé. La garde reste la même, on réutilise le principe irimi en avançant. Du coup, nos attaques sont souvent en Tsugihashi, et pour les techniques, Shironage et Irimi Nage font partie des plus évidentes sur ce déplacement. Commençons donc par le remontrer. On se rappelle bien sûr l'avoir déjà utilisé avec le Jo. Un peu de révision. Et je propose de rajouter un peu de répétition avec un tanto. Des deux côtés, un peu d'ambidextrie ne peut pas faire de mal. Bien sûr, pour faire ça, s'il vous plaît, on ne frotte pas les pieds au sol. Voilà, c'est déjà la fin. On sait maintenant se déplacer, quasiment de toutes les façons. Nous verrons dans la suivante. D'ici là, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant de suite des nouveautés. Commentez, regardez et refaites tout. Restez en forme et à bientôt.